Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live, sur Song of Horror. Play, on va tenter, si la connexion le veut bien, et si l'affichage veut bien se faire, voilà. Ça fait quelques semaines malheureusement que j'ai pas pu le faire, à cause déjà d'un problème de planning, puis d'un problème de connexion, et là cette fois on va se lancer. On s'était quitté sur la galère des diapositives. Alors comme j'en avais déjà parlé, histoire de pas non plus faire 10 000 lives sur le sujet, j'ai regardé vite fait une solution. Par contre, ce qu'on va faire avant d'y retourner, c'est aller vérifier si on peut pas ouvrir la porte avec le truc bizarre au fond là. Parce que j'ai un peu réécouté les différentes cassettes et... Sa mère, la carte. Où est-ce qu'elle est la cachette la plus proche? Putain, ok. 20 premières secondes, c'est l'enfer. Nickel, on est parfait, je suis déjà bien stressé. Il y a un rat, c'est cool. Non, j'ai pas écouté. Ah oh, putain, j'ai pas écouté. Bon, faut que je me réhabitue au gameplay. Et salut Damned, bienvenue sur le live, content de te voir. Tu peux remarquer, ça fait longtemps que j'ai pas joué, j'ai déjà complètement oublié comment on joue. Je sens que je vais crever, mais genre vite. Alors, on ouvre. Voilà. On va par ici, c'était par là, c'est ça hein. C'est ça. On nous propose pas d'écouter, ok très bien. Ah, Damned qui se réabonne avec Prime, merci. Merci pour ce réabo, Damned. C'est bien gentil de ta part. Flipper jusqu'au bout de la nuit. Eh ben, merci. Je vais tâcher de flipper jusqu'au bout de la nuit. Allez, on tente d'ouvrir la porte. Incredible. On n'est pas mort, quoi. Donc oui, je disais que j'ai réécouté la cassette qui me faisait penser que si jamais on arrivait les diapositives, la porte allait s'ouvrir et qu'on allait devoir y aller. Donc du coup, on n'est pas sûr de revenir. On va faire ce truc-là tout de suite, comme ça c'est fait. Tous ces dossiers pourraient se perdre en cas d'inondation et on s'en foutrait totalement. Eh ben écoute, tu fais bien de nous le dire. Merci beaucoup pour ton resub du coup, Damned. On nous propose pas d'écouter. Je suis quand même totalement en flip. Je vais lâcher la souris 2 secondes pour me gratter, attention. C'est bon, tout va bien. Alors vous avez pu voir, je vais mettre pause, une petite intégration quand Damned a resub, hein, grâce à Mr. Gecko, notre artiste de la chaîne, on a maintenant, alors pas pour tout, mais petit à petit, des petites animations made in Twitch qui réagissent sur des événements et ça fait bien plaisir. Franchement bien plaisir. Il fait un super boulot. C'est pareil pour les transitions, alors vous l'avez probablement pas vu en VOD, vous le verrez peut-être plus tard, mais... Les petites transitions, j'ai commencé à les mettre sur les séries. Faut que j'arrête de parler pendant qu'on se déplace. Ça me met en stress. Y a des petites transitions entre les scènes, donc maintenant il y aura des super transitions, une transition jeu du cygne. Du coup, j'espère que ça plaira parce que c'est vraiment du très bon boulot. Je bois un coup. Parce que ça sent le drame. Et salut Mialis, bienvenue sur le live. Merci pour le soutien. Soutien moral. Alors, pourquoi tu vas dans ce sens-là, mec? C'est dans l'autre sens que je vais. Voilà. Je crois que notre Chobiti ne sera pas des nôtres pour l'instant ce soir. C'est un petit peu trop en flip. Qu'est-ce que c'est que ça encore? The thing.
tirons-nous? Non? Tirons-nous pas? Quelque chose me dit que j'ai bien fait de pas ouvrir cette porte. Bon, bah du coup on va pas aller par là. Ce qui est un peu con parce qu'on a que ce chemin. On peut pas se cacher dans ce truc là. On dirait qu'une personne pourrait tenir à l'intérieur. Ah, on pourrait se cacher là. Je l'avais pas sur ma map ça. Pourquoi j'ai plus ma map? Map? Ah, tu es la map. Ok. Là, on nous propose pas d'écouter. Bon, réfugions-nous par ici alors. Ça sert à rien d'aller par là. Je. Bon, est-ce qu'on a attendu assez longtemps et ça va se débloquer? Dans ce couloir, à chaque fois qu'on y passe dans cet escalier, c'est le drame. Hein. Je sais pas comment je vais faire Dumnet sans Chocho, je vais mourir, je pense. Ok, on ne propose plus d'écouter, c'est que ça doit être calme. Allons-y. Voilà! Tout est normal! Tout va bien! Putain! Ah, le monstre qui apparaît à l'écran. Bon, on ne nous propose pas d'écouter. Parfait. Mais franchement, c'est parfait. Je suis totalement détendu. Alors, l'adaptateur électrique. Voilà. Hop. Alors, la porte, la boîte, le saloperie, la lumière et le levier. Donc là du coup, on va revérifier vite la petite soluce, hein, voilà, vous m'excusez mais on a déjà suffisamment galéré la dernière fois. Alors du coup, la première, c'est pas ça, c'est pas toi, je vais y arriver, putain, c'est celle du milieu que je veux prendre, voilà. Celle-là, non, celle-là elle est bien là, celle-là on la veut là, la porte on la veut tout à la fin, le levier on le voit en deuxième je crois, la boîte là, la baladeuse, on trinque Damned, on trinque, trinquons. Ok. Bon, préparons-nous à crever dans une diapositive. C'est parti. Les saloperies de rats. La porte avec l'ombre. Les saloperies de rats. La boîte. Le levier. C'est raté. Merde. Échec. Échec, échec. J'ai mal lu. Ou alors il s'est passé un truc et on n'a pas vu. Non, il y aura sûrement une petite musique ou un truc du style. Qu'est-ce que... Ah mais non mais... Oh, Windows, fais pas chier. C'est pas le moment. Donc c'est censé être la clé, le levier, la boîte, la lampe et la porte. C'est pas ce que j'ai fait ?
La clé. Le levier. La boîte. La lampe. Et la porte. Bah si, c'est ça. Ça normalement. On s'approche vraiment de ce truc? Non, on s'approche pas de ce truc. On s'approche pas de ce truc. On s'approche absolument pas de ce truc. Jamais de la vie on s'approche de ce truc. Ok. Ah oui, alors peut-être que je compte les emplacements mal. C'est celui-là qui va là, la porte ici. Le levier irait là, et du coup la lampe baladeuse là. Oui, ça doit être probablement ça. C'est moi qui prends le premier emplacement, pas dans le bon sens. T'as raison, Dame Ned. La lampe. La boîte qui n'a plus d'ombre parce qu'elle est éclairée par la lampe. C'est cool, ça se présente bien. Le levier. La créature s'est levée, c'est parfait. On est hyper heureux. Le levier n'est pas cassé. La boîte est toujours éclairée, mais il n'y a plus de clé. Il n'y a pas les rats. Et la porte n'a plus le verrou. Oh mais je veux déjà m'arrêter quoi. Non mais mec, merde. Descends, je sais que tu veux... On peut passer là? Oh là là l'angoisse. Oh il a les cheveux blancs en plus à cause de la lumière. Oh là là l'angoisse. Ah cette perspective horrible. This is it's unbelievable. Ah la curiosité humaine. Je suis d'accord, ça ressemble un peu à l'enfer. Une scie métallique légère et facile à utiliser. La lame est d'une saleté repoussante, d'où peut bien venir cette merde? Ah putain, mais c'est quoi ça? Dieu tout puissant, je n'en crois pas mes yeux. Vous êtes sérieux là le... J'ai rien d'autre à utiliser là. Lunettes. Coucou. Ouais. Alors il y avait une porte ici, mais elle est pas là. Il y avait une porte là, mais elle est pas là. Ok, donc du coup la scie. Hein, avec de la merde dessus, c'est ça le concept, tu te fous de moi? C'est totalement normal. Ah putain. Ah mais gerbe mec, gerbe partout quoi. Ah oh, c'est infâme. Il y a une bague à l'un des doigts. Et les rigides, il y a une bague sur une aire. Je ne peux pas regarder ça une seconde plus. Ah oh, putain. This is gross. I can't believe what I just did. Alors attendez. Est-ce que... Mais oui. Mais pourquoi pas? Mon dieu, c'est la blague du concierge. Comment est-ce possible? Oh là 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 là. Du coup la main elle est toujours là. Maintenant on a une alliance, on a un doigt. Il n'y a plus le doigt. Il manque un doigt. Ah putain, c'est horrible. C'est quoi cette scène quoi? Ah putain. J'ai cru qu'il allait bouger quoi. Ah oh, mais tuez-moi quoi. Putain. J'ai même pas descendu ici regarder les différents trucs au final la dernière fois. Ok, un livre qui appartient au professeur Dunn, c'est cool. Qu'est-il arrivé à toutes ces boîtes? Bah je sais pas, elles sont tombées dans l'escalier.
Putain, j'ai déjà ma dose de la soirée, je crois. Oh la vache. J'suis sûr qu'on va tomber sur une saloperie à un moment en plus. Bon bah, il était en train de tenir le levier, donc j'imagine que le thème c'est d'aller tenir le levier. Parce qu'après tout, autant s'enfoncer jusqu'au bout dans le glauque, hein. Ok, on me propose pas d'écouter, on y va. On est complètement confiant. Ok, je bois un coup. Alors Damned, qu'est-ce que tu penses de mon Eevee animé? Eh bien ou bien? Donc je récupère là. C'est Twitch qui l'a fait. En fait, avec l'âge de la chaîne, on a droit à un emoji animé. Tu lui files un, enfin, tu peux lui donner une animation, mais tu peux lui filer un PNJ et il te l'anime quoi. Bon. De manière totalement normale. On va utiliser la main pour bloquer le levier, c'est ça le thème. Hein. On est d'accord. Oh mais sérieux. Ah, ah il est horrible cet épisode quoi. Oh putain. Écoutons. Ok, ça a l'air calme, j'y crois à fond. Je sais même plus ce qu'on cherchait. On a un journal des quêtes ou un truc du style. On avait trouvé la note du professeur Marie. Oh oui, c'est vrai, il y avait l'histoire de. Ah oui, non, les chapeaux et tout, c'était bon, ça, on s'en foutait, ouais, c'était géré. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette pièce immense? C'est tellement flippant de pas voir où on va. Ok, il y a un mur. Enfin, si on peut appeler ça un mur, non, c'est pas du tout un mur. Il n'y a rien d'utile, allons voir sur une autre étagère. Et vous êtes sérieux, faut qu'on fouille tous les étagères? Bon, on va faire ça méthodiquement. On va commencer par le début. Là, je suis à rien. Qu'est-ce que tu dis Damned? C'est n'importe quoi, il suffit simplement de découper la peau sans la chair pour prendre l'empreinte, sérieux qu'elle bouchait. Je suis pas sûr que c'était l'empreinte qui jouait, hein. Je pense qu'il fallait la main pour caler le levier, parce que on pouvait activer le levier, c'est juste qu'il revenait en position fermeture s'il n'y a pas quelqu'un pour le tenir, donc je pense que c'est vraiment la main qu'il fallait pour bloquer le levier. Ce qui n'en reste pas moins totalement gore, hein. On s'entend. Ok, fort bien, ici, y a rien non plus, là y a un truc là, il n'y a rien d'utile ici, ça me rappelle tellement le truc de stockage mais qui était absolument angoissant, je pense qu'il s'est fait exprès là. Le rapprochement à faire. Là on a déjà regardé, il n'y a rien. Ici, il y a des petits trucs de 35 mm, mais c'est tout. De 8 mm d'ailleurs, excusez-moi. Quelle honte, moi qui pose dans le cinéma, j'aurais dû le savoir. J'aurais pas fait ce genre d'erreur. Ici, il n'y a rien d'utile, ok.
Bien sûr, ça va être au fond, hein. Les grandes et petites familles européennes, une compilation de biographies de membres influents de la haute société. La maison Legrand. La maison Legrand qui a passé de fusionner avec la maison Habsburg et ses hauts et bas au fil des ans. L'avènement de la culture dans l'empire industriel et la dilapation d'un héritage par Agos Legrand, dernier héritier de l'énorme fortune de la famille qui a fait de l'enquête sur le paranormal l'obsession de sa vie, font de ce volume l'un des volumes les plus passionnants de cette collection. Je suis content de l'apprendre. J'ai vu ce que je cherchais, je devrais sortir d'ici. Tu veux sortir d'ici? Tu penses franchement sortir d'ici? Avec ces vues infâmes. Je pense que tu vas te mettre en boule près d'un étagère. D'une étagère. Et tu vas gentiment décéder. Lumière qui s'éteint derrière nous, je t'ai vu, lumière qui s'éteint derrière moi. Je t'ai vu. Quoi? Vous coulez! Sortez-vous de là aussi vite que possible. Pour vous éplucher, appuyez sur W. Donc W c'est O, hein, parce que je suis en azerty là. Essayons de vous attraper par les bras pour empêcher d'appuyer AD. AD, c'est là, au bon moment. Si vous n'y arrivez pas, vous devrez vous extricter en appuyant plusieurs fois sur le même bouton. Le terrible pardo, sinon vous allez couler. Bon. On va boire un coup. Escape. Faut que j'appuie long sur Escape. Ça va. Hein? Ah, j'ai cru qu'il était rentré, que c'était de nouveau le... Qu'est-ce qu'on fout là? On est où là? C'est le couloir du tout début ça. Mais on est sorti de la bibliothèque là. Qu'est-ce qu'on fout là? Y'a des gens! Non, y'a un ordinateur. Si, y'a des gens! Putain. I think this is part of what Husha was investigating. Et parler un petit peu de ce qui s'est passé, non? C'est un livre sur Argos le Grand. Une biographie ou une collection d'articles sur lui, je pense. He apparently spent part of his life traveling the world in search of odd, rare events. Rich people stuff. I don't know. The biography suddenly ends right after his last journey. It says here, he returned without his equipment, without the huge amount of money he wasted on the project, and with a simple memento of the music he brought home to his little girls, 8-year-old Elaine and newborn Ariadne. And here's a note from Husha that says, see the archives, events newspaper. Is there a newspaper archive over here? Non mais enfin vous déconnez, genre faut y retourner pour aller voir les archives presse. bon sang. Ah la vache. Un souvenir génial de cette scène, j'avais plus que Daniel, il entre dans la pièce et il part tout seul. Ah oui, j'avoue que ça doit être un peu cool s'ils sont tous morts, ouais. Bon, on va arrêter le premier épisode de VOD là, ça me paraît une bonne transition, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Salut tout le monde, ciao ciao.